À partir d'aujourd'hui, vous aimerez l'oignon. Vous en consommerez chaque jour une fois que vous aurez vu ce contenu, surtout si vous êtes âgé de 30 à 70 ans, bien que ce soit aussi bon pour les enfants et pour les adolescents. Si vous vous inquiétez de prendre soin de votre santé et de celle de vos proches comme dans cette vidéo, abonnez-vous ici et cliquez sur la cloche de notification pour toujours recevoir nos contenus en avant-première. Pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, je vous remercie également d'avoir rejoint votre communauté d'astuces et de santé préférées. L'oignon, en plus d'être polyvalent, peut être consommé de différentes façons et utilisé dans divers plats de cuisine. Est aussi source de divers nutriments essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Dites-moi dans les commentaires quel genre d'oignon vous préférez le plus. L'oignon blanc, l'oignon rouge ou même l'oignon violet. Moi, mon préféré, c'est l'oignon rouge tout simplement à cause de ses propriétés et des vertus. Dites-moi aussi comment est-ce qu'on appelle ceci dans votre pays. En général, vous l'utilisez pourquoi? Les propriétés de l'oignon sont justifiées par la présence des minéraux tels que le soufre, le calcium, le potassium, le magnésium et une grande quantité de vitamine C, la vitamine B1, B2, la vitamine K et même la vitamine P. C'est pourquoi de préférence, je vais vous conseiller de manger ceci cru pour éviter les pertes de nutriments et même d'antioxydants. La quercétine qu'il contient est un flavonoïde qui est trouvé en abondance dans l'oignon et en plus de son action sur le système respiratoire, peut combattre la grippe et aide dans le traitement de l'asthme. Il est également bénéfique pour la circulation et aide à prévenir la thrombose, le vieillissement des artères, des veines. Si vous voulez en savoir plus et savoir pourquoi est-ce qu'il faut consommer ceci tous les jours, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter tous les avantages de l'oignon violet, blanc et tous les autres types d'oignons. Nous pouvons mentionner ce qui suit. En numéro 1, ceci améliore le système cardiovasculaire. Les oignons contiennent beaucoup de kératine à flavonoïdes importants qui effectuent diverses fonctions dans le corps humain, y compris la circulation du sang, qui est améliorée avec les composés sulfuriques de l'oignon, qui diminue la tendance à la formation des caillots sanguins dans le sang en empêchant la thrombose, le vieillissement des artères et aussi aide à réduire les niveaux de mauvais cholestérol sanguin. Je vous invite à partager cette information, cette vidéo avec vos membres de famille, dans les groupes dans lesquels vous êtes et même sur les réseaux sociaux. J'aimerais aussi beaucoup savoir d'où est-ce que vous regardez cette vidéo. Ça me permettra de connaître vos pays mais aussi de connaître de là où vous me soutenez. En numéro 2, ceci est un anti-anémie. Les oignons sont des légumes qui contiennent du phosphore, du fer, des vitamines et qui participent dans la production de globules rouges, aident à prévenir l'anémie. En numéro 3, ceci aide à combattre le rhume, la grippe. Les oignons sont riches en vitamines A et 6 qui renforcent le système immunitaire et aident le corps à combattre les virus de la grippe. Le soufre contenu dans l'oignon a la capacité de soulager les symptômes du rhume. Contient également des flavonoïdes qui aident à combattre diverses maladies du système respiratoire comme la grippe, la toux, l'asthme et bon nombre d'autres allergies. En numéro 4, ceci aide à soulager l'hypertension. Les oignons contiennent du potassium, un minéral qui aide à contrôler la tension artérielle et le rythme cardiaque. C'est très bon pour le cœur. En numéro 5, contient des propriétés diurétiques. Le potassium aide à prévenir la rétention des liquides et est bénéfique pour les reins. En numéro 6, ceci profite au système. L'oignon est bon pour le système nerveux, contient des éléments tels que le potassium, le magnésium, qui sont nécessaires pour la transmission et la régénération d'impulsions nerveuses. En numéro 7, ceci contrôle la perte de poids due à sa faible valeur calorique et sa haute teneur en fibres. Ses propriétés sont simplement idéales en inclusion dans un régime amaigrissant. La fibre qu'il contient améliore le transit intestinal, va aider à éliminer les toxines en diminuant l'absorption de graisse. En numéro 8, ceci est bon pour les femmes enceintes. Sachez que l'oignon est riche en folate qui est essentiel pour le bon développement du fœtus dans les premières semaines de grossesse. En numéro 9, les oignons sont de puissants antioxydants qui contient des antioxydants tels que la vitamine A, la vitamine C, le soufre, les flavonoïdes, contient aussi de la quercétine et des anthocyanes. Ces antioxydants combattent les radicaux libres, réduisent le niveau d'inflammation, prévient le vieillissement prématuré et aident à avoir des effets protecteurs contre certains types de cancers. Les prestations de l'oignon rouge sont dues à la plus grande quantité d'antioxydants et en conséquent apportent une plus grande puissance en antioxydants. L'oignon rouge en comparaison avec d'autres types d'oignons reste le meilleur. En numéro 10, ceci a des avantages sur les os. Des études ont montré que cette consommation fréquente d'oignons peut aider à augmenter la densité osseuse. Ses propriétés sont surtout bénéfiques pour les femmes ménopausées parce que la densité osseuse va diminuer avec le temps. En numéro 11, ceci a un effet exceptionnel sur le sommeil et même sur la bonne humeur. Pour éviter l'excès d'homocystéine dans le corps, ce qui interfère avec la production d'hormones qui réglementent l'humeur, le bien-être comme la sérotonine, la dopamine et la
norépinéphrine. Donc, vous pouvez utiliser ceci en cas de stress, en cas de malaise, en cas de mal-être. Ça va tout simplement vous redonner de la pêche. En numéro 12, ceci est utilisé comme un sirop maison. Si vous avez une toux, remédiez tout simplement à l'aide de ce sirop d'oignon. C'est un ancien remède maison utilisé pour traiter divers problèmes respiratoires, comme on l'a dit plus haut, tels que la toux, la bronchite, la pneumonie. Ceci a des propriétés dilatantes, expectorantes, qui aident à soulager les symptômes et à éliminer l'excès de phlegme plus rapidement. Pour préparer le sirop d'oignon, il est conseillé d'utiliser du miel, un oignon, du jus de 3 citrons. Les ingrédients sont battus dans un mixeur jusqu'à ce que vous obteniez un mélange homogène. Vous pouvez tamiser le contenu ou non, c'est à vous de choisir. Les enfants prennent 2 petites cuillères de ce sirop par jour. Pour les adultes, vous pouvez prendre 4 petites cuillères par jour, c'est suffisant. Maintenant que vous connaissez tous les avantages qu'offre l'oignon, j'espère que vous allez manger ceci plus souvent. Je voudrais connaître votre opinion sur ce sujet. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez-moi un cœur dans les commentaires pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Rappelez-vous de partager ces informations. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!